aujourd'hui avec Robert C. Faut-il avoir peur de faire du vélo? Pourquoi le vélo est-il si important? Et à quoi faut-il faire attention? Vous allez découvrir tout cela aujourd'hui avec Robert C. Oh là là, je suis super impatiente. Moi aussi. Allons, allons. Moi, je peux passer cet examen de vélo les doigts dans le nez. Exactement. D'après ce que je sais, on a besoin du bras gauche et du bras droit pour faire du vélo, Bennett. On dit juste ça comme ça, Robert. Doit-on passer un examen de vélo? Je sais déjà en faire. Tu es sûre, petite sœur, que tu sais en faire? Tu n'arriveras pas à me mettre en colère. L'examen de vélo doit vous aider à vous débrouiller dans la circulation et à comprendre le code de la route. C'est vrai, mon papa dit toujours que sur la route, il faut avoir les nerfs solides. Ça semble difficile. Ne t'inquiète pas, Yuna. Avec un peu de pratique, tout cela est très facile. Faire du vélo, ça va, mais conduire une voiture, c'est quand même plus cool. Tu sais, Bennett, faire du vélo est bon pour l'environnement. Surtout pour les trajets courts ou lorsqu'il fait beau, il est très facile d'utiliser le vélo. Ah bon? Et pourquoi? Eh bien, d'une part, les routes seraient beaucoup plus vides et il y aurait moins d'embouteillages si plus de monde était à vélo. Les voitures prennent beaucoup de place. C'est vrai, il y aurait sûrement de la place pour 4 vélos. En plus, les voitures produisent aussi beaucoup de gaz d'échappement. C'est surtout un problème dans les villes. Ah, c'est pour ça que ça sent si mauvais. Exactement. Si tout le monde faisait plus de vélos, l'air serait meilleur et les routes seraient plus sûres. Ce serait plus cool. Mais à quoi est-ce qu'on doit faire attention quand on fait du vélo? Il est très important que vous fassiez toujours attention à ce qui vous entoure lorsque vous faites du vélo. Sinon, un accident peut vite arriver. Oups! Je t'avais pas vu! Et quelles sont les règles? Une règle très importante dans la circulation routière est la règle de la priorité à droite. Qu'est-ce que c'est? La priorité à droite signifie que celui qui vient de la droite a la priorité. Il doit donc passer en premier. Je comprends pas. En fait, c'est très simple. Regardez autour de vous à la cafétéria. Si un enfant venant de la gauche se dirigeait vers le kiosque et qu'un enfant de droite venait à sa rencontre en direction des tables, il finira donc par se rentrer dedans. Donc, selon la règle, l'enfant de droite a la priorité. C'est à lui de passer en premier. Ah bon? Comme ça, il y a moins d'accidents. Tout à fait. C'est clair pour toi, Bennett? Tu n'as encore rien mangé? J'ai pas faim. Oh oh, tu es stressé. N'importe quoi. C'est pas grave, je le suis aussi. C'est maintenant à Bennett de passer. Tu es prêt, Bennett? Bien sûr. Bravo, Bennett. Tout s'est bien passé. C'est vrai, mais la grenouille ferait bien de passer elle aussi un examen de vélo. J'avais la priorité, c'est sûr. N'hésitez pas à nous donner un like et à la semaine prochaine, les enfants. Ciao.